Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la vidéo aujourd'hui. À côté, on va porter tout ça qui a dominé l'actualité football là pour gagner Luis Suarez qui sauve l'équipe Atlético de Madrid là 2-1, mes amis, dans le temps additionnel. On va venir avec résumé goal et réaction à la presse pour vous. Pour côté qui veut Sébastien, c'est contre Aribo pour Ronald Koeman qui va remplacer par Xavi Hernandez ou du moins Roberto Martinez. On parle d'un pays d'Italie avec l'équipe Juventus de Turin qui t'a supposé faire une victoire aujourd'hui face avec Spezia contre Jonas Salap exhorté vers la victoire. Mais quand même, l'équipe Inter de Milan lui-même qui toujours était à cracher du feu, notamment avec belle victoire faite sous l'équipe Fiorentina. Nous avons avec résumé goal et réaction après pour vous. Un pays d'Angleterre, c'était un pile match avec Coupe et Manchester City et Liverpool qui arrivaient imposer. Un pays la France, nouvelle génération d'équipe olympique de Marseille arrive vraiment à impressionner le monde. C'est une vidéo qui gagne tout ça qui a dominé l'actualité football là avec résumé goal qui te gagne un grand match. On a ponti pause tout petit à tourner après pause pour plus de détails. On commence une vidéo pressant dans le pays la France avec le journal L'équipe qui vient sous génération jeune qui est l'équipe olympique de Marseille là. Le journal là qui mettait à la une la nouvelle scène marseillaise. Journal là qui continue pour dire bien encadré par quelques joueurs d'expérience, la jeune génération donne un nouveau souffle à l'Olympique de Marseille, devenue l'une des attractions de ce début de saison. Actuellement deuxième dans la Ligue 1, équipe olympique de Marseille là qui a fait un bon début de saison, notamment avec jeunes joueurs qui c'est Guendouzi et Niang lui-même qui a mis un pile goal. Donc c'est une génération qui est vraiment là pour mettre un pile bagaille dans la Ligue 1. Les coulisses dans le pays l'Italie avec le journal Gazette dello Sport qui mettait à la une Inter de Milan a crasé tout le monde. L'équipe de la première période là a perdu 1-0. Équipe Inter de Milan qui vire situation et qui vient gagner en déplacement. Équipe Fiorentina 3-1. Mais le journal qui fait connaître Inter de Milan lui-même qui pas perdu aucun monde qui a crasé tout le monde dans le championnat et qui a assumé provisoirement tête classement. Toujours sous victoire Inter de Milan et le journal Corriere dello Sport qui mettait à la une la loi de l'Inter. Champion titre là lui-même dans la série A qui prend une belle option puisque Guetta a dominé tête classement. Et mais définitivement gagné l'autre équipe qui t'a joué tout notamment l'Atalanta qui t'a fait 2-1 sur Sassuolo et Bologne qui t'a fait 2 goals bateau face avec Genoa. Et bien mes amis, comment ça t'est pour Inter de Milan, c'était Sotil qui t'a ouvert ce score pour l'équipe Fiorentina. Gagné Damien Nima à 52e minute de jeu qui t'a égalisé pour l'équipe Inter de Milan. Donc gagné Dizé Kosun, on est à la 55e minute de jeu qui t'a fait avantage à 2 goals avec l'équipe Inter de Milan. Bien Perisic même la 87e minute de jeu, t'es mette 3e goal là pour te battre victoire 3 goal là. Hein. Toujours dans le pays d'Italie, comment ça a été pour l'équipe Sassuolo face avec Atalanta? C'était Gosens, c'était Ouvisco pour Atalanta à la 4e minute de jeu. À la 38e minute de jeu, il y a Zappa Costa lui-même qui t'es mette 2e goal là pour l'équipe Atalanta. Mais toujours dans la première mi-temps, nous avons Berardi lui-même à la 44e minute de jeu, t'es réduit score là pour l'équipe Atalanta. Match à lui-même qui t'est terminé 2 goal là. Hein. Juste avant de répondre dans la vidéo, ça a quitté un petit temps ça pour nous remercier tout le monde qui fait partie de la famille, ça, qui toujours met un like en bas de la vidéo, qui toujours commente, qui toujours partage la vidéo. Nous, on dit beaucoup de ça, qui sont obtenus, met un like en bas de la vidéo, ça, pour nous, ça a vraiment encouragé nous pour nous porter plus de vidéos pour vous toujours. Et si vous faites ensemble avec nous, là, on a dit bienvenue dans la famille, ça, cliquez sur le bouton rouge qui est en bas de la vidéo, pour vous abonner, activer la notification. Mettez sur tout comme ça, chaque jour, pour recevoir tout ça qui a dominé l'actualité football là, avec résumé, goal. Pour aller courir dans le pays d'Angleterre, côté terrain EFL Cup, et mes équipes Manchester City a qui veut imposer la Kylie 6 goals à 1 face avec Wycombe. N'a pas que c'est l'équipe Wycombe lui-même qui était ouvert ce score sous Manchester City, mais une équipe qui vraiment remanié de Pep Guardiola a arrivé imposer 6 goals à 1. Dans Manchester Evening News, limité à la une Oh Boy Blues. Ça qui t'avait dit Oh petit garçon bleu. Il fait qu'on est que mes jeunes joueurs Pep Guardiola ont un bon goût pour le futur, mes amis, puisque imposé avec un large score de 6 goals à 1. L'autre club qui tape toujours dans l'UFL Cup, c'est l'équipe Liverpool là qui avait imposé 3 goals à 0 sur Norwich City en déplacement. Et mes buteurs, c'était un doublé de Minamino international japonais et pourquoi pas Origi également qui t'a marqué un goal en rencontre là. Mais quand même, journal a fait connaître que si ça allait bien pour City avec Liverpool, mais pour Everton, ça n'a pas allé puisque tu as fait 2 goals partout face avec Rangers. Et mes amis, donc ils viennent éliminer dans le tir au but. Et bien, équipe qu'une soirée, Rangers a lui-même qui a joué en 2e division anglaise, il a raison sur Everton qui a joué en 1ère division. On a toujours été dans le pays d'Angleterre avec le journal Daily Star qui fait connaître que entraîneur équipe Tottenham qui c'est Nuno, littéralement d'être directement avec Harry Kane pour oublier de ses transferts qui ratait pour aller dans l'équipe Manchester City pendant l'été.
Li men ki poko skori oken gol avec ekip Tottenham nan pendant ane sa, et bien bagay ki vraiment grave pou Harry Kane kote a exhorté pou ka bliye de se transfer la et concentré sou Tottenham. A fonti retourne nan pays l'Italie avec ekip Juventus de Turin jodi a ki pral en déplacement ka Spezia, et bien journal Tuto Sport ki a exhorté la Juventus de Turin pou ka répondre à Maximiliano Allegri. Mais comme il fait jeu de mots à tout pour faire qu'on est supposé répondre au maximum puisque pour qu'on fait aucune victoire dans la série A italienne et Massimiliano Allegri qui a demandé le joueur pour qu'il vraiment la faire un effort en plus. Sous 4 matchs, équipe Juventus de Turin qui déjà fait 2 défaites, 2 matchs nuls, donc un très mauvais résultat et un très mauvais commencement de saison pour l'équipe Juventus là. On a tout quitté la Juventus de Turin pour nous tomber dans le dossier transfert côté officiellement James Rodriguez qui a quitté l'équipe Everton dans le pays d'Angleterre, ancien joueur Real de Madrid a engagé avec un club au Qatar. Mais définitivement international colombien lui-même qui finit aventurier dans la première ligue là et pourquoi pas donc qui a cherché un autre horizon. Et donc allez qu'on a dans le pays l'Espagne avec Journal ça lui-même qui c'est Marca qui finit sous belle victoire équipe Atlético de Madrid là 2-1 en déplacement jusqu'à la 78e minute de jeu et bien il a perdu 1-0. Journal là qui vraiment la rend hommage avec Luis Suarez qui marque doublé dans le côté là pour le mettre à la une le retour du pistolero. Journal qui fait qu'on est tout avec une expulsion qui t'a gagné beaucoup de équipe Getafe et même Pistolero lui-même qui devine marqué doublé ça donc pour te gagner victoire avec Atlético de Madrid. Mais c'est même Luis Suarez ça également qui fait la une Journal As lui-même qui mettait à la une Pistolero Suarez. Atlético de Madrid selon Journal ça donc il domine leader championnat espagnol là après victoire ça qu'il fait sous Getafe avec 2 goals de Uruguayen. Hein. Si l'équipe Getafe a gagné une victoire dans Mel à domicile jusqu'à la 78e minute de jeu, et mais c'est Luis Suarez qui a venu sauver l'équipe Atlético de Madrid là. Pour rappel, l'équipe Getafe qui est en mauvais impasse puisqu'elle ne peut faire aucune victoire dans le championnat Anessa. Et bien mes amis, en résumé, comment ça t'est pour Atlético de Madrid? C'était Mitrovic qui a ouvert la 45e minute de jeu pour l'équipe Getafe. Bien Luis Suarez à la 78e minute de jeu a venu égaliser pour l'équipe Atlético de Madrid là. Même Luis Suarez Salim à la 91e minute de jeu, il a mis le deuxième goal là pour te bailler victoire ça pour Atlético de Madrid. Nous prenons les coups avec un autre dossier qui a dominé l'actualité football là pour côté FC Barcelone, puisque le journal a fait connaître un compte à rebours pour Ronald Koeman dans l'équipe ça. Le journal a qui fait connaître que demain, si Dieu veut, face avec Cadiz, Ronald Koeman a toujours sous bon équipe FC Barcelone, mais quand même dans le club là, il n'y a pas qu'un B continuité. Li. Si dans quelques jours qui t'est passé, vous avez fait qu'on est que Laporta a bali 3 matchs pour être capable de dresser dossier et mais définitivement il a déjà perdu Youn puisqu'il fait un match face avec l'équipe Granada. Et qui Juan Laporta lui-même qui t'a fait déclaration qui fait qu'on est que lui connaît qui ça pour le faire et il va régler toute bagaille. De si ça qui même fait la une dans Journal As dans ville Madrid qui mettait à la une Ronald Koeman a travaillé avec joueur déjà compté dans l'équipe Barcelone. Il fait qu'on est que Aimé Ronald Koeman n'y pas laissé seulement parce que Laporta n'y pas un remplaçant pour lui. Si Journal As fait qu'on est pour qu'on remplaçant, mais quand même, Journal Mundo Deportivo aujourd'hui a limité Xavier Hernandez avec Roberto Martinez en pole position. Journal A qui même fait qu'on est que Ronald Koeman lui même qui prend les match après match, puisque s'il t'a perdu face avec Cadiz de Messieurs, Aimé Likab tout quitté, donc il a précipité sorti lui. Donc, il y a un journal qui même fait qu'on est que Xavier Hernandez avec Roberto Martinez, c'est même qui est en pole position pour qu'il puisse remplacer en cas de sortie de l'équipe FC Barcelone. On a toujours été bon côté FC Barcelone, notamment avec le journal Les Sportifs qui fait qu'on est que Ronald Koeman qui a deux visages quand même. Le journal qui fait qu'on est que c'est vrai que crédit que Ronald Koeman a gagné dans l'équipe Barcelone, il y a adéquat, mais quand même avec Araújo, il montrait que chemin, c'est pas jeune pour passer. Ronald Koeman dans l'équipe FC Barcelone, il montrait que il y a confiance dans le jeune et il y a un peu de temps de jeu. Font arriver dans le pays l'Argentine en Amérique du Sud là avec journal Olé qui fait jeu de mots pour faire connaître que moi pas senti moins bien. Nos maîtres Saint-Obien pour faire connaître que Lionel Messi n'est pas senti bien aujourd'hui à l'IPAP jouer face à Metz dans la Ligue 1. Mais définitivement il était frappé dans le genou gauche et mais il fait connaître est-ce que c'est pour ça que Pochettino était retiré sous terrain. Définitivement Paris Saint-Germain qui n'est pas capable de compter avec international argentin aujourd'hui dans la Ligue 1. Il a toujours été dans l'Amérique du Sud là avec le journal Estado de Minas qui mettait à la une seulement la victoire à mener dans la finale. En effet, en Copa Libertadores, demi-finale, et bien l'équipe Palmeiras là qui tape toqué connu avec Atlético Mineiro lui-même qui s'est premier dans le championnat du pays Brésil là face avec Palmeiras qui s'est champion dans la Libertadores. Il y a un Hulk brésilien qui a raté une pénalité pendant la rencontre si la rencontre là qui termine 0 goal partout. Mais je dis à l'autre demi-finale qui pourra opposer Flamengo face avec Barcelona Guayaquil qui sort dans le pays Équateur.
C'était vraiment un plaisir pour te porter tout ça qui a dominé l'actualité football là pour. Merci avec tout le monde qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Juste avant aller songer pour partager vidéo ça pour nous mes amis et de nous partager vidéo ça avec tous les amis qui aiment le football. Que t'as pour nous même dans la prochaine bonne vidéo. Que mon Dieu bénisse, songez pour préparer un amour pour retour Christ là son pareil qui est essentiel.